avec comme thème « Littérature pour une jeunesse, la 8e fête du livre de Kinshasa a vécu ». Organisée par les pôles ethniques et l'Institut français de Kinshasa, cette rencontre littéraire était une occasion accordée aux bouquinistes pour exposer à même le sol les livres de toutes les spécialités. Au cours de cette cérémonie, plusieurs panélistes se sont succédés pour expliquer l'importance de cette journée. Un sentiment de joie, j'ai sautillé, j'ai dansé pendant un moment quand finalement ça aurait eu lieu. Au fait, c'était toujours aussi incertain que l'année passée parce que, vous savez, la situation Covid a persisté pendant un bon moment et ça nous a mis tous un peu dans le garage. On était là en train de dire maintenant, pas maintenant. Maintenant, là, on y est et on est vraiment heureux d'être là. Et surtout que les acteurs littéraires sont assez, je peux dire, un peu le pauvre dans la société culturelle congolaise, quoi. On est les moins considérés, on est très bas. Alors là, c'est notre fête. Moi, j'ai grandi dans un environnement où je m'épanouissais en tant qu'enfant, on va dire cela. Et cette chance n'est pas donnée à tous les enfants du Congo d'avoir un livre, de pouvoir choisir le livre qu'ils veulent lire, mais surtout d'apprendre à lire. Vous serez d'accord avec moi que jusqu'avant qu'il y ait l'école pour tous et la gratuité des écoles, certains enfants n'avaient pas accès à l'éducation. Correspondant de France 24 à Kinshasa, Juliette Dubois n'a pas gardé sa langue en poche pour élever le sens de la fête du livre. Alors, j'ai pas d'attente en particulier, mais je trouve ça bien qu'il y ait un thème un peu pour mettre à l'honneur des thèmes particuliers. Je sais que c'est la littérature pour la jeunesse et aussi la BD. Et je trouve ça bien parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a des auteurs congolais, mais on sait pas forcément qu'il y en a qui écrivent pour les enfants ou de la bande dessinée. Donc, c'est bien de mettre le focus sur ces auteurs-là. Jupiter Bokonji et le groupe Okwes International ont agrémenté la soirée. Univers Groupe Télévision, c'est votre univers.